fait voir un peu, genre. Oh, désolé, frère. Putain, calme-toi, frère. Calme-toi. C'est ça. C'est quoi, frérot? Regarde. On va faire un truc. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que vous allez très certainement kiffer. Mais juste avant que la vidéo commence, je vais vous présenter quelqu'un que je connais depuis longtemps. Si vous êtes amateur de paris sportif, vous le connaissez très certainement déjà. Je vais vous présenter aujourd'hui, mesdames et messieurs, Alex Betting Yuka. Donc les gars, bien arrivé avec Mika. Et évidemment, je suis pas venu les mains vides, c'est pas comme ça qu'on fait chez moi. Donc préparez-vous, énorme jeu concours sur mon snap. Donc ajoutez-moi, Alex Betting Yuka. Il y aura des PS4 à gagner, des dizaines de jeux vidéo, FIFA 19, etc. Des pay safe cards, des places pour aller à des matchs de foot. Donc restez bien connectés, les gars, ça va être un carnage. Donc les gars, déjà, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent, on est plus de 100 000 personnes sur le snap Alex Betting UK. Maintenant je vais expliquer à tous ceux qui ne connaissent rien au paris sportif et qui sont intéressés ce que je fais et comment ça se passe. En gros, moi je suis pronostiqueur, c'est à dire que tous les jours je donne à mes membres des pronostics sur le foot, le tennis, le basket, le rugby, le hockey sur glace, enfin bref, tout dans le but de leur faire gagner de l'argent avec ces pronostics. Bien sûr, il faut faire attention, c'est du jeu d'argent, il faut être majeur et il faut faire ça bien. C'est pour ça que nous, dans notre groupe, on est là pour faire gagner de l'argent sur le long terme. L'idée générale de mon groupe, c'est très simple: gagner un peu d'argent tous les jours. Le but des paris sportifs, c'est pas de parier sur une cote à 4 et de prendre énormément de risques, c'est de tous les jours prendre le moins de risques possible pour gagner le plus d'argent possible. Donc l'équipe, il faut que vous le sachiez aussi, Alex, ce qu'il fait régulièrement, tout simplement, c'est qu'il organise des concours où il fait des tirages au sort et où il fait gagner des PS4, des jeux vidéo, des FIFA 19, tu m'avais dit aussi. FIFA 19, des places de foot, enfin bref, plein de cadeaux rien que pour vous les gars. Donc spécialement pour vous les gars, aujourd'hui, on va vous faire gagner 2 PS4, une dizaine de jeux FIFA 19, que ce soit sur Xbox One ou sur PS4, et également des PaySafe cards. Donc comment gagner? C'est très simple, ajoutez-moi sur Snapchat Alex Betting UK, ça s'affiche juste là, et vous me bombardez de messages avec le hashtag Mikalash. Voilà, le tirage au sort sera fait dans la semaine, donc restez bien connectés les gars, ça va être un carnage. Voilà l'équipe, gardez quand même en tête que les paris sportifs sont des jeux d'argent, c'est à vos risques et périls, donc faites attention à vous et surtout restez raisonnable. Sinon, comme je vous l'ai dit, je vous invite vivement à rejoindre Alex Betting UK sur Snap, et pour participer au concours c'est très simple, il suffit de le suivre et il vous donnera les instructions dans les prochains jours. Enfin bref, du coup maintenant on va passer au contenu de la vidéo. Dans cette vidéo, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que je vais piéger un escroc sur le bon coin qui vend des Macs de contre façon, en les faisant passer pour des vrais au prix des vrais. Franchement, vous allez voir, celui-là on l'a bien piégé. J'espère que ça va vous faire kiffer. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Comme vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'était Mikalash et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Oh frère, en gros. Ah, excuse-moi, c'est pas toi par hasard pour l'annonce? Okay. Parfait frère. Non, attends, j'arrive, je viens de te dire bonjour. C'est, t'as le Mac dans le sac là? Oui, le Mac. Ok, attends, je viens de serrer la main, bouge pas frère, j'arrive. Oui. Quoi? Tu fais quoi? Tu vas là, je suis là. Non, c'est bon, attends, tu sais quoi? Viens, fais le tour. Fais le tour comme ça, ouais, vas-y. Non, attends, mais fais le tour. Fais le tour. Mais pas comme ça frère! Fais comme les aiguilles de la montre là! Qu'est-ce que tu fais? Je suis là, viens là. Attends, bouge pas, tu sais quoi? Bouge pas, je viens, bouge pas frère, bouge surtout pas frère. Bouge pas. Bouge pas. C'est bon. Lâche-moi, attends, je rigole frère. Je rigole. Enchanté. Je rigole frère, c'était une blague. Mais je suis pas ton frère, tu me prends. Tu me fais marcher 10 minutes du parking là. Je te jure, je rigolais frère. C'était une blague. Je rigole pas avec moi. Bon frère, attends, je t'explique. En fait, tu vois, ça fait 20 minutes que je t'attends. Ça fait 20 minutes que je t'attends. Le soleil, il tape sur la tête. Pourquoi tu ris? C'est bon, calme-toi. Vous parlez normal, ne crie pas frère. Je t'ai fait une petite plaisanterie. Une petite blague. Vas-y, j'espère t'as les sous là, parce que tu rigolais avec moi. C'était quoi, les 800 euros? Ouais, les 800 euros. Ouais, j'ai pris, mais t'as vu, depuis tout à l'heure, je t'attends au soleil et tout, le soleil il tape fort sur la tête. Du coup, ça me faisait péter un peu les plombs. Du coup, je me suis dit, quand il va arriver, je vais faire une petite plaisanterie, une petite blague comme ça, genre. Vas-y, c'est bon, ta blague elle est finie là, vas-y, maintenant, on va lancer. Je vais mettre dos au soleil, parce que ça tape fort dans la tête là, tu vois. Vas-y, du coup. Frérot, alors tu viens pour le MacBook, c'est ça? Bah ouais, c'est vrai, putain, c'est le soleil, je t'ai dit. Ouais, t'es malade, hein. Du coup, comment te dire, frère? T'as fait bonne route? Oh, on s'en fout que j'ai fait bonne route. Ouais? Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais c'est comme ça, c'est pour faire un peu connaissance, tu vois. On fait pas connaissance, je te vends mon match et tout. Ouais, t'inquiète. Mais ce que je voulais dire, frérot, c'est t'as le temps un peu là devant toi? Non, j'ai pas le temps, je suis pressé, sinon j'aurais tourné avec toi pendant une heure. Sinon, parce que moi j'ai un peu de temps, tu vois, je peux t'enfiler un peu si tu veux. Ça se passe pas le temps! En gros, moi je te propose un truc. Le match, tu me le fais moitié prix et je te passe genre 2-3 heures devant toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de faire le rigolo avec moi.
Ah, c'est bon, vas-y, tu sais quoi? Oh, c'est 800 euros le prix. On va s'en tenir aux affaires. Montre-moi le Mac, frérot. On regarde un peu ça là. Tu vois le. C'est quoi le. On s'en fout, c'est un sac de magasin. C'est le Mac que tu veux pour le sac. Je te vends le sac si tu veux. Mais moi c'est un MacBook que je veux, hein. Mais il est là le Mac. Et pourquoi c'est dans un sac Intermarché? Moi c'est pas un Intermarché que je veux, je te préviens. Hein. Commence pas à essayer. Mais moi c'est un sac pour le porter. Moi je m'y connais un petit peu en informatique, tu vois, les Intermarchés. Je sais qu'ils ont toujours un bug de résolution. Arrête! Intermarché ça vend pas des Macs. Fais voir dedans là. Ah, il est dedans le sac. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais où la boîte d'origine du Mac? Je l'ai pas pris, je l'ai cassé. Comment ça tu l'as cassé? Bah quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai déchiré, ça sert à rien te l'emmener. Comment ça tu l'as déchiré la première fois que tu l'as ouvert? Tu veux le Mac ou tu veux la boîte? Bah non, je veux le Mac moi, t'as vu? Mais là. Et le chargeur, il est où? Il n'y en a pas de chargeur. Comment ça, il n'y a pas de chargeur? J'en ai besoin, j'ai notre Mac à la maison et tout, il faut que je le garde. Hein. Moi j'en ai besoin aussi, frère, comment je peux le charger à 100%. En plus j'ai rajouté deux batteries dessus. Deux batteries? Ouais, du coup j'en ai tiré deux fois plus longtemps. C'est possible ça? Ouais, c'est possible. Vas-y. Fais voir. Montre-le-moi un peu, qu'on regarde ça. Je peux le prendre un peu de vive main? Tu le prends doucement, tu fais pas tomber tout, c'est fragile ça. Tiens. Oh. Je n'avais jamais vu un. Tu veux acheter un Mac, t'en as jamais vu? Mais c'est, genre j'avais fait une question, tu vois, je trouvais ça un petit peu bizarre. C'est quoi ce gros scotch marron là que t'as mis dessus? Parce qu'il a un problème avec l'écran, c'est pour tenir l'écran. Comment ça un problème avec l'écran? Genre il y a pas de vis ou je sais pas quoi, ce qu'il m'a expliqué le vendeur, défaut de fabrication, mais il m'a fait une remise. Un défaut de fabrication? Ouais, ouais. Bah tu vas me faire une remise aussi alors. Déjà il a moitié pris le Mac. Mais je peux l'enlever ou pas? Non, non, surtout pas. Je peux pas l'enlever. Si tu l'enlèves, il marche plus. T'es sûr? T'es sûr. T'en fais voir un peu, genre. Désolé, frère. Calme-toi, frère. C'est bon, frère. Désolé, ça m'a glissé des mains. J'ai les mains un peu, genre. Un peu moites, tu vois. Je suis désolé, frérot. Je l'ai pas abîmé, j'espère. Mais tu l'as abîmé. Fais voir. Mais non, frère, je te jure que j'ai pas fait. Fais voir un peu. Je suis désolé, gros. Je suis désolé. Oh la gaffe. Ah, j'espère que t'as les sous les toits, là. Ouais, j'ai les sous, t'as vu, mais. Mais genre, t'as vu, genre, il est tombé comme ça, c'est un truc. Non, tu prends pour un. J'ai pas fait... Oh, je te jure, j'ai pas fait exprès. Oh, 800 euros! J'ai pas fait exprès. Moitié pas fait exprès, à moitié pardonné. Tu connais cette expression ou pas, gros? Rien à voir ton expression, c'est quoi ce que tu me sens? Bon, tu sais quoi, vas-y, là, il est pas cassé, il marche encore. Bah ouais, il doit marcher encore. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais quand même te l'acheter, malgré le fait que voilà, ils sont. On est partagés. Moi, ce que je veux juste voir, je veux juste le tester un petit peu avant, tu vois. Opérationnel. Vas-y, fais voir. Attends, je vais me mettre genre comme ça, tu vois, où est-ce que je peux le poser? Tiens, sur le sac, sur le sac. Vas-y, on va le poser ici comme ça. Voyons voir cette merveille, alors. Du coup, il date de combien de temps, celui-là? Cet été, je l'ai acheté. Tu l'as acheté cet été? Ouais. Mais moi je trouve ça bizarre le truc avec le scotch, t'as vu? Regarde, il y a l'écran ici, et je crois qu'il se casse. Ouais, mais frère, tu me vois un truc, il est à moitié tout déchiré, je sais pas quoi là. Moi je veux. Oh, je t'enlève 50 euros sur le prix si tu veux. 50 euros? Ouais, 50 euros. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va déjà voir comment il fonctionne. On va essayer de l'allumer, t'as vu? C'est où le bouton pour l'allumer? C'est là. C'est là? Il s'allume pas, frère. Comment ça se fait? Tu l'as fait tomber, t'as dû le casser, c'est sûr et certain. N'importe quoi, gros. Tu l'as fait tomber il y a 5 minutes. Bah ouais, ouais. J'ai pas fait exprès de le faire tomber, je t'ai dit. Si tu l'as cassé, tu vas me donner 800 euros. Il n'y aura pas de remise, hein. Comment ça, frère? Tu vas me donner 800 euros. Moi, s'il est cassé, je le prends pas, hein. Comment ça, tu le prends pas? Attends, gros, le truc s'allume pas, là. Putain, ce qu'on fait pas, là. Vas-y, non, recule. T'as. Vas-y, lâche ça, gros. Il a cassé, tu me dis qu'il est cassé. Reste tranquille, gros, j'ai rien cassé du tout. Ton truc, il est tout KO, regarde. Pourquoi tu fais le nerveux? Je vais te casser sur la tête, le bâton. Tu fais le nerveux, gros. Ça me donne mes sous. Viens, déjà, on va voir d'où est le problème, là. Quoi, le problème, là? Explique-moi pourquoi il s'allume pas, le Mac. Tu sais pourquoi il s'allume pas? Tu te rappelles quand t'avais les mêmes watts, là? Ouais, mais c'est le vent aussi, tu vois. Il n'y a pas de vent. Mais est-ce qu'il est assuré, ton truc? Bien sûr qu'il est assuré. Bah voilà, alors pourquoi tu me demandes les sous? Tu le reprends, tu le ramènes, tu le fais réparer. Mais non, je vais payer l'assurance moi après. J'en suis sûr qu'il s'allumait déjà pas avant que je le fasse tomber. Bien sûr qu'il s'allumait. Mais que normalement, imagine c'est à cause de moi, il est tombé et tout, il est cassé, tu vois. Imaginons qu'il tombe par terre et tout. Normalement, il est quand même censé s'allumer, tu vois. Normalement, on est censé entendre le. Là, il n'y a pas de. Tu vois, là, il est tombé par terre. T'allumes et il n'y a pas de tout doom, frère. Ouais, mais doom, c'est Netflix.
Ouais, mais normalement, il doit faire un bruit, genre quand il s'allume. T'es d'accord avec moi? Là, il fait pas le bruit. Donc même s'il est... Même, imagine qu'il tombe par terre, que l'écran se casse. Non, c'est dès que débrancher les enceintes, je sais pas, moi. Non, non, là... C'est ton système qui fonctionne pas, là. Non, non, non. Je suis désolé, c'est ton système qui fonctionne pas. On fait comment maintenant, frère? Là, le Mac, il est cassé. On fait comment? Je vais t'expliquer, on fait comment? Tu vas me donner les sous, et le Mac, si tu le veux, tu le veux pas, je pars pas avec. Tu vas me donner les sous. Frère, moi, je t'explique, tu vois, les 800 euros. Le problème, c'est que j'ai plus de batterie dessus. Ça n'a pas de batterie, de l'argent. Mais... Je t'explique, frère, t'as vu ton Mac, il a plus de batterie, il est cassé, je sais pas trop quoi, il fonctionne pas. Pour les sous, c'est pareil. Genre, en fait, on dirait qu'il y a comme un bug dans le système des sous. En fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, tu vois, c'est que tu me passes ta carte bleue. Ouais, je comprends. Non, non, attends. Non, 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 non. Écoute, tu me passes ta carte bleue. Moi, je vais à un truc qui s'appelle la banque. En fait. Tu vois, je mets ta carte bleue dans une machine et ça va recharger les sous. Et là, tu vas avoir tes sous direct, frère. Tu vas avoir le pognon qui va couler à flot, frérot. Pourquoi tu me prends pour un débutant? Tu me demandes ma carte bleue pour aller faire je sais pas quoi avec? Non, non, c'est pour recharger les sous. Recharger les sous. Oh. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre le Mac, tu vas me donner les sous. Mais frère, si j'ai pas les sous, on fait comment? Je te demande qu'est-ce qu'on va faire si t'as pas les sous. On va faire quoi? Oh frère, oh qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton bâton? Ton recule. Recule, 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 recule. Fais gaffe frère, j'ai fait 2 ans d'escrime. J'ai fait 2 ans d'escrime gros. J'ai fait 2... Recule, recule gros, je te jure, tu fais un truc gros, je te jette le bâton, je te le jette. Ça va faire mal gros. Qu'est-ce que tu fais gros? Vas-y. Eh vas-y frère, apprends à viser là tu... C'est bon, vas-y, calme, 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 c'est bon, calme, calme. Calme-toi, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. Calme-toi, frère. Je vais te payer, je vais te donner les sous. C'est bon, je rigole, vas-y, viens, viens, viens. Oh, ah, frère, oh, oh, oh. Oh, t'es un malade, frère, reste tranquille. Qu'est-ce que tu fais, là? Regarde, je pose le bâton, mais tu restes tranquille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il t'arrive quoi, là? Tu casses mon Mac. On se calme avec les bâtons. C'est bon, on se calme, donne-moi les sous, excuse-moi. Je suis énervé, tu me dois 800 euros, tu m'as cassé mon Mac, c'est normal, comprends-moi. Oh, t'as pas un mouchoir? Un mouchoir. Parce que genre tu m'as touché la main là. Oh, c'est bon, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, on va pas se prendre la tête 50 000 ans. Maintenant, on regarde, gros. On a bien rigolé, ensemble, tu vois. Bah ouais, mais j'ai pas rigolé, moi. Je me suis bien amusé. Mais toi, t'es fou, toi. Attends, je vais t'expliquer un truc, gros. Ton Mac, tu vois, c'est un faux Mac. Un faux Mac, mais tu me prends pour rien. J'ai essayé de le revendre la semaine dernière à quelqu'un sur le parking. Tu te rappelles de ce rendez-vous? Ouais, ouais, il m'a pas acheté parce qu'il avait pas les sous, il avait 400 euros. Non. T'es allé le vendre à un mec, et le mec il a capté que c'était un faux, tu vois. Ça peut pas être un faux. Il a capté que c'était un faux. Regarde, regarde, regarde. Non, t'entends moins là, hein. On t'entend moins, frère. Regarde. Arrête pas, il va plus marcher. C'est bon, frère, arrête de me faire ton charabia. Arrête de me faire ton charabia, regarde. Il est où le logo Apple là? C'est bon, tu m'en crames. T'es quoi ma parole, toi? C'est bon, vas-y, remets-le, je vais le rendre à quelqu'un d'autre, excuse-moi. Comment ça, tu vas le rendre à quelqu'un d'autre? C'est bon, il est déjà cassé et tout, c'est même pas toi. C'est de me la mettre à l'envers avec ton Mac, gros. Gros, pourquoi tu fais ça, sérieusement? Parce que, pourquoi je le fais pas? Frère, tu peux pas faire de l'argent de manière plus honnête? Mais je m'en bats les couilles, de l'argent plus honnête, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment moyen de faire des trucs aujourd'hui, genre, je sais pas, fais une mission civique, fais des trucs. Mais ça m'intéresse pas de travailler, moi. Ben, gros, je sais pas. Ouais, là, je te le vends 800 euros, je me fais un mois de salaire en un jour. Ouais, mais t'arnaques des gens avec ça. Je m'en fous. Non, du plus fort, hein. C'est quoi, frérot? Regarde, on va faire un truc. Et donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous voulez participer au concours que nous avons organisé spécialement pour vous et tenter votre chance pour gagner des PSK, des FIFA et encore plein d'autres cadeaux, il faudra tout simplement ajouter AlexBettingUK sur Snap et suivre les instructions qui vous seront données dans les prochains jours. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.